Thank you.
I'm very sorry, so I have to speak English. In the last song we played, Ablai asked the questions why people go in the mattress of, or the job of being a politician. Louder? Okay. I will do it. I'll try. In the last song, Ablai talks about politics and why people go into the job of being a politician. Maybe for the wrong reason, to gain power, to gain money, but not really to sacrifice themselves for the people. And that's what we need. We need politicians, and there are many good ones who try, and this job is so important. More important these days than ever. Our democracy is challenged today, and we hope that everyone picks up an instrument and learns to dance and sing, and note by note, we'll have a better world with more peace. Muchas gracias. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Oui. Ok. Est-ce que vous voulez chanter avec moi? Vous voulez essayer de chanter avec moi, c'est ça? Donc vous répétez après moi, d'accord? Dunia lo meti, Alaji wo barika.
Thank you.
Ça va, Myriam. 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 Ça va, ça va. Je vais parler français, d'accord? La pièce qui suit s'appelle Amanke Jonti. S'il y en a parmi vous qui comprend français et les autres qui comprennent l'espagnol, si vous pouvez traduire entre vous, on va gagner du temps, d'accord? Donc Amanke Jonti veut dire ce n'est pas une esclave. Cette chanson parle des jeunes filles qui sont dans les villages, qui travaillent la terre. Après la fin des récoltes, ils vont rejoindre les grandes villes parce qu'il n'y a plus de travail dans les villages. Et dès qu'ils arrivent dans ces grandes métropoles avec aucune qualification, elles vont être employées de maisons, des bois. Et ces jeunes filles sont surexploitées. Elles commencent à travailler avant que le soleil ne se lève. Le soleil va se coucher, elles sont toujours là en train de travailler. Elles font tout dans la maison. Et elles le font bien aussi. Elles travaillent tellement bien que madame oublie même de s'occuper de son mari, mais celle-ci s'occupe du monsieur. C'est un grand fléau qui part maintenant partout en Afrique où dans certains endroits, les passeports de ces jeunes filles sont confisqués. Il y en a qui sont abusés. Il y en a qui sont traités de tous les noms d'oiseaux, vraiment au vrai sens du mot. Il y a bien entendu des exceptions. Dans certaines familles, on donne la possibilité à ces jeunes filles d'aller à l'école ou d'apprendre un métier. Mais c'est très, très peu. Ces filles sont condamnées à rester bonnes parce que leur grand-mère était bonne. Parce que leur maman était bonne. Donc si rien n'est fait, leur enfant va suivre le même chemin. Et la question qu'on se dit ou qu'on se pose est que est-ce que vous allez exploiter votre propre fille de la même sorte? Non, je ne pense pas. Parce que cette fille-là que vous exploitez, elle n'est pas née esclave. Elle n'est pas esclave. Elle est là, juste là, parce qu'elle veut gagner sa vie, honnêtement. Donc, à manquer, il est gentil. C'est la nuit ici, c'est pas grave. Il est
Aplai is born in a family of storytellers and musicians, and his grand-grand-grandfather in the 43rd generation had the opportunity to assemble the pieces of the kora. And this kora he is playing is also made by himself. It has 21 strings, 11 on the left side, 10 on the other. And if you really look closely, you can see that one of the triangles is broken. It's shorter than the other one. Now he's hiding it.
And his father, who passed all his tradition onto his brothers and sisters, in their line, always told him, Abai, you have to change, you have to fix it. And he refused. After the third time, he was very serious, said, Abai, I'm going to take your core away if you don't fix it. He said, no, I leave it as it is, because life is not perfect. Just like this. The other side, which you can't see, he has a voodoo paste. It's red, and he can play what he wants. It will sound good to you. Thank you for having the patience for him to tune. Yes. Thank you.
Aussi, j'ai eu le privilège aussi de rencontrer le consul du Sénégal, c'est un grand honneur pour moi. Et il y a 3 ans, j'étais là aussi, 3 ans et demi, j'étais là avec un ami bassiste. Je me souviens, le soir, on jouait ici, il pleuvait, mais ils sont restés. Et là, je dis, mais les blancs, ils sont compliqués. Il pleut, mais il reste, ça c'est vrai. Chez nous, quand il pleut, on part. Et puis après, nous, on se retrouve ici. Et puis on a joué toute la soirée. Et malheureusement, notre ami, le bassiste, Abifei, nous a quittés aussi. Et donc, en venant ici aussi, aujourd'hui, on est habité par ce grand monsieur. Et pour sa mémoire, donc je suis très content de revenir ici, voilà, avec mon ami Volka. Et on a aussi des disques qui sont à la sortie, des disques qu'on a fait avec Volker,
et aussi mon dernier abord aussi qui est là. Et vous remercie beaucoup aussi, vous qui avez fait le déplacement pour venir communier avec nous. On est très heureux. Et on souhaite qu'au mois de retour, que vous puissiez arriver en paix chez vous aussi. Et votre cher ami, mon ami et frère aussi, de mon beau Santom Kolti, Dawai Lumbala. Merci beaucoup.